le jardin du prophète Al-Mustapha, l'élu et le bien-aimé, qui était au midi de son propre jour, s'en retournait vers son île natale. C'était au mois de Tijren, le mois de la souvenance. Comme son navire approchait du port, il se tenait debout à la proue, entouré de tout l'équipage, le cœur dilaté par la joie du retour. La mer chantait dans sa voix lorsqu'il s'écria: « La voici donc, cette île qui nous vit naître. C'est ici que la terre nous a empoigné un chant et une énigme, un chant qui s'élève vers le ciel et une énigme qui nous rive à la terre. Ciel et terre, qu'est-ce donc qui fera jaillir notre champ et nous fera trouver le sens de l'énigme, sinon notre amour? » Une fois encore, la mer nous ramène à ses rivages. Nous ne sommes qu'une vague parmi ces vagues. Elle nous pousse en avant pour proclamer son message. Mais comment pourrons-nous le livrer sans rompre sur le roc et le sable l'harmonie de notre cœur? Car telle est la loi des marins et de la mer. Si vous voulez être libre, il vous faut pénétrer dans la brume. L'informe jamais ne cesse de chercher la forme, comme les innombrables nébuleuses aspirent à devenir soleil et lune. Nous, qui avons longtemps cherché notre route avant de retourner maintenant vers cette île, nous, forme rigide, nous devons redevenir brume, tout apprendre depuis le commencement. Et qu'est-ce donc qui prendra vie et s'élèvera vers les hauteurs si nous n'acceptons d'être brisés par l'amour et la soif de liberté? À jamais nous serons en quête de rivage, chanter et nous faire entendre. Mais qu'advient-il de la vague qui vient mourir là, où nulle oreille ne l'entend? Ce que l'on ne perçoit pas de nous est l'aliment de notre plus profonde douleur. Pourtant, c'est cela aussi qui sculpte notre cœur pour lui donner forme et façonner notre destin. Alors, marin s'avança et dit: Maître, tu as soutenu en nous le désir d'arriver à ce port, et nous y voici. Mais à ce moment même, tu parles de douleur et de cœur qui vont se briser. Il lui répondit: N'ai-je pas parlé de liberté et de brume, où nous découvrons notre plus totale liberté? Je l'avoue, c'est dans la peine que j'accomplis ce pèlerinage à mon île natale, tout comme le fantôme d'un homme assassiné va s'agenouiller devant ceux qui l'ont tué. Un autre marin lui dit: Vois donc les foules assemblées sur la digue. Elles ont pressenti, sans en parler, le jour et l'heure même de ton arrivée. Tous les habitants de l'île se sont réunis pour t'attendre, abandonnant qui son champ, qui sa vigne, tellement ils sont avides d'amour. Al-Mustapha regarda au loin vers la foule. Son cœur était attentif tandis qu'il percevait cette attente anxieuse, et il se taisait. Alors un cri s'éleva au milieu du peuple, un cri célébrant les retrouvailles, mais exprimant aussi la supplication. Il leva les yeux sur ses marins et leur dit: Que leur ai-je donc apporté? Je n'ai été qu'un chasseur en pays lointain. Avec attention et vigueur, j'ai lancé les flèches d'or qu'il m'avait données, mais sans rapporter aucune prise. Je n'ai pas suivi les flèches. Peut-être vole-t-elle maintenant dans le soleil, avec les ailes d'aigle blessées
se procurer du pain et du vin. J'ignore où elles ont suspendu leur vol, mais je sais ceci. Elles ont tracé leur courbe dans le ciel. Quoi qu'il en soit, la main de l'amour repose toujours sur moi. Et vous, mes marins, vous élargissez encore ma vision, et je ne resterai pas muet. Je crierai bien haut quand la main des saisons me saisira à la gorge, et je chanterai mes paroles quand mes lèvres seront enflammées. Comme il disait ces mots, tous furent émus jusqu'au fond du cœur, et quelqu'un dit « Maître, apprends-nous toutes choses, et peut-être comprendrons-nous, car ton sang coule dans nos veines, et notre souffle exhale ton parfum. » Il répondit alors, et le vent soufflait dans sa voix. « Est-ce pour faire de moi un professeur que vous m'avez fait revenir à mon île natale ? Je n'ai pas encore été enchaîné par la sagesse. Je suis trop jeune et trop inexpérimenté pour parler d'autre chose que du moi où s'exprime à jamais l'appel dressant des profondeurs. Celui qui voudrait posséder la sagesse, qu'il la cherche donc dans le bouton d'or ou dans une pincée d'argile rouge. Pour moi, je reste celui qui chante. Encore et encore, je chanterai la terre et aussi nos rêves perdus qui hantent le jour entre sommeil et sommeil. Et je contemplerai la mer. Et voici que le navire entrait dans le port et atteignait la digue. Il débarqua alors sur son île natale et se retrouva parmi son peuple. Du cœur de tous s'éleva un grand cri et son cœur tressaillit car il sentait s'évanouir le sentiment de solitude qu'il avait éprouvé en s'approchant de son île. Tous étaient maintenant silencieux, attendant qu'il parle, mais il ne dit rien pendant quelques instants. Étreint par la tristesse de ses souvenirs, et il se disait en lui-même « Ai-je dit que j'allais chanter ? Non, je ne puis couvrir mes lèvres pour qu'on sorte la voix de la vie, qui s'en ira dans le vent pour recréer la joie et la force. » Alors Karima, qui avait joué avec lui lorsqu'il était enfant dans le jardin de sa mère, lui dit « Pendant 12 ans, nous a caché ton visage, et pendant ces 12 ans, nous avons été affamés et assoiffés de ta voix. » Il la regarda avec une immense tendresse, car c'était elle qui avait fermé les yeux de sa mère lorsque les blanches ailes de la mort l'avaient embrassée. Et il lui répondit, « 12 ans, tu as dit 12 ans, Karima. Je n'ai pas mesuré ma nostalgie avec l'astrolabe et n'en ai pas sondé la profondeur. Car l'amour, surtout l'amour qui se confond avec le mal du pays, rend impossible toute mesure ou sondage du temps. Certains moments pèsent comme des siècles de séparation, mais la séparation est-elle autre chose qu'un épuisement de l'esprit ? Peut-être n'avons-nous jamais été séparés. » Al-Mustapha regarda longtemps la foule. Il vit tous ces hommes, les jeunes et les vieux, les vigoureux et les chétifs, ceux qui avaient allé le soleil et le vent comme ceux qui avaient le timbal. Et sur tous ces visages, une lumière irradiait un ardent désir et une interrogation. Quelqu'un s'approcha. « Maître, dit-il, la vie a traité amèrement nos espoirs et nos désirs. Nos cœurs sont troublés et nous ne comprenons rien. Je t'en prie, réconforte-nous et dévoile-nous le sens de nos tristesses. » Le cœur du maître s'émut de compassion et il dit « La vie est plus ancienne que toute chose vivante, tout comme la beauté resplendissait avant que naissent sur terre des choses belles et la vérité était vérité avant d'être exprimée. La vie chante dans nos silences et les rêves dans notre sommeil. Même lorsque nous sommes des fées,
comme un héros et où l'on estime bienfaisant un conquérant glorieux.
se glorifie qu'au milieu de ruines et où l'on ne se révolte que lorsqu'on a la nuque coincée entre le glaive et le billot. Pitié pour la nation dont l'homme d'État est un renard, le philosophe un bateleur et l'art un art du rafistolage et de contrefaçon. Pitié pour la nation où l'on accueille un nouveau souverain aux accents de la trompette pour le renvoyer sous les huées et en acclamer un autre aux mêmes accents de trompette que le précédent. Pitié pour la nation où les sages sont rendus muets par l'âge, tandis que les hommes vigoureux sont encore au berceau. Pitié pour la nation divisée, dont chaque parti revendique pour elle-même le nom de nation. Un autre disciple lui dit : Parle-nous de ce que tu ressens dans ton cœur en ce moment même. Il regarda cet homme, et l'on percevait dans sa voix comme le chant d'une étoile lorsqu'il répondit. Quand vous rêvez éveillé, si vous vous taisez pour être à l'écoute de votre moi le plus intime, vos pensées, comme des flocons de neige, tombent et tourbillonnent, recouvrant d'un blanc silence tous les bruits de l'espace qui vous entoure. Et que sont ces rêves en éveil, sinon des nuages qui bourgeonnent et fleurissent sur l'arbre du ciel dans vos cœurs. Vos pensées ne sont-elles pas aussi des pétales de fleurs que les vents de votre cœur répandent sur les champs des collines? Comme vous attendez la paix jusqu'à ce qu'en vous l'informe prenne forme, ainsi les nuages s'assembleront et dériveront jusqu'à ce que des doigts bénis façonnent leurs désirs gris en petits soleils, lunes et étoiles de cristal. Alors parla Sarki, celui des disciples qui doutait un peu. Mais le printemps arrivera, dit-il, et toutes les neiges de nos rêves et de nos pensées fondront et n'existeront plus. Le maître lui répondit : Quand viendra le printemps, pour chercher son bien-aimé dans les bocages assoupis et les vignes, la neige fondra, certes, et se précipitera en torrent pour rejoindre le fleuve dans la vallée et offrir une coupe de fraîcheur aux myrtes et aux lauriers. De même, la neige de votre cœur fondra, elle aussi, quand votre printemps sera là, et votre secret se précipitera lui aussi en torrent pour chercher dans la vallée le fleuve de vie, et le fleuve emportera votre secret jusqu'à la mer immense. Toutes choses se dissoudront et deviendront chansons avec l'arrivée du printemps. Même les étoiles, les gros flocons de neige qui tombent lentement sur l'étendue des champs, tout se fondra dans la musique des ruisseaux. Quand le soleil de sa face apparaîtra au-dessus du large horizon, quelle harmonie glacée refusera de se dissoudre en mélodie liquide, et qui, parmi vous, ne souhaiterait offrir une coupe aux myrtes et aux lauriers? Hier encore, vous voguiez sur la mer mouvante, vous vous sentiez loin des rivages et vous n'étiez pas vraiment vous-même. Puis le vent, le souffle de la vie, le visage caché sous un voile lumineux, vous enveloppa, vous saisit, vous façonna et, la tête haute, vous avez dirigé vos regards vers les hauteurs. Mais la mer vous suivait et son chant résonne toujours en vous. Bien que vous ayez oublié les liens qui vous unissent, elle revendiquera toujours son titre de mère et toujours elle vous appellera vers elle. Lorsque vous errerez par les montagnes et les déserts, toujours vous vous souviendrez de la profondeur et de la fraîcheur de son cœur. Et bien que souvent vous refusiez de le reconnaître, c'est vraiment à la houle de son immense paix que vous aspirez. Comment peut-il en être autrement? Dans les bosquets et les charmilles sur la colline, quand la pluie danse dans les feuillages, quand la neige tombe, c'est une bénédiction et le signe d'une alliance. Dans la vallée, lorsque vous menez vos troupeaux à la rivière, dans vos champs où les ruisseaux, comme des bandes d'argent, strient les étendues vertes,
jardin, une femme arriva devant la porte. C'était Karima, celle qu'Al-Mustapha avait aimée comme une sœur dans son enfance. Elle restait à l'extérieur sans rien demander, sans même frapper à la porte. Elle regardait simplement le jardin avec envie et tristesse. Al-Mustapha vit cette envie sur ses paupières et, rapidement, il se dirigea vers le mur du jardin et lui ouvrit la porte. Elle entra et il lui souhaita la bienvenue. Elle dit « Pourquoi nous as-tu tous quittés, nous laissant vivre loin de la lumière de ton visage ? Sache que, pendant ces longues années, nous t'avons aimé et nous avons attendu impatiemment ton heureux retour. Maintenant, les gens t'appellent à grands cris et voudraient s'entretenir avec toi. Je suis leur messagère, venue te supplier de te montrer à eux et de leur parler de ta sagesse, de réconforter les cœurs brisés et nous mettre en garde contre nos égarements. » Il la regarda et répondit : « Ne m'appelle pas sage, à moins que tu n'appelles sage tous les hommes. Je ne suis qu'un jeune fruit. Et hier encore, je n'étais qu'une fleur. Ne traite aucun d'entre vous de fou, car en vérité, nous ne sommes ni sages ni fous. Nous sommes des feuilles vertes sur l'arbre de la vie, et la vie elle-même est au-delà de la sagesse, et plus encore de la folie. Et puis, vous ai-je vraiment quitté ? Ignores-tu qu'il n'y a pas de distance, hormis celle que l'âme n'arrive pas à franchir en imagination. Et quand l'âme abolit la distance, une harmonie se crée en elle. La distance entre vous et vos plus proches voisins, si vous ne les aimez pas, est plus grande que celle qui vous sépare de votre bien-aimé qui demeure au-delà des sept terres et des sept mers. Dans le souvenir, la distance est abolie. C'est dans l'oubli seulement que se creuse un gouffre infranchissable pour votre voix et vos yeux. Entre les rivages des océans et le sommet de la plus haute montagne est tracée une route secrète que vous devez absolument parcourir avant de ne faire qu'un avec les fils de la terre. Entre votre connaissance et votre compréhension, il existe un sentier caché que vous avez à découvrir avant de ne faire qu'un avec l'homme et de réaliser ainsi l'unité en vous-même. Entre votre main droite qui donne et la gauche qui reçoit, s'étend un long espace. Vous ne pouvez le supprimer qu'en les rendant toutes deux prêtes à donner et à recevoir. Et vous ne pouvez vraiment franchir cet espace qu'en étant persuadé que vous n'avez rien à donner, ni rien à recevoir. En vérité, la distance la plus longue est celle qui s'étale entre la vision de votre sommeil et celle de votre réveil, entre ce qui n'est qu'action et ce qui est désir. Il nous faut encore parcourir une autre route avant de faire un avec la vie. Mais de celle-là, je ne dirai rien maintenant, car je vous vois déjà fatigué de voyager. » Alors il s'en alla, avec la femme et les neuf disciples, vers la place du marché. Il se mit à parler aux gens, à ses amis et ses voisins, et la joie étincela sur leur visage et dans leur cœur. Il leur dit : « Vous croissez lorsque vous dormez, et votre vie est plus intense lorsque vous rêvez. Toutes vos journées se passent en action de grâce pour ce que vous avez reçu dans la tranquillité de la nuit. Souvent, vous pensez et parlez de la nuit comme d'un temps de repos, mais en vérité, la nuit est la saison de la quête et des découvertes. Le jour vous apporte la connaissance et apprend à vos doigts l'art de recevoir, mais c'est la nuit qui vous conduit à la maison où la vie garde son trésor. Le soleil révèle à tous ceux qui croient l'aspiration à la lumière, mais la nuit élève tout vers les étoiles. C'est bien, en effet, le calme de la nuit qui tisse un voile nuptial au-dessus des arbres de la forêt.
silence sacré, le lendemain est conçu dans la matrice du temps. Le temps est avec vous et, dans votre quête, vous trouverez votre nourriture et l'accomplissement de vos désirs. Et bien qu'au lever du jour, votre réveil efface la mémoire, la table des rêves est dressée pour toujours et la chambre nuptiale vous attend. Il resta un moment en silence. Et ses auditeurs aussi, attendant qu'il reprenne. Vous êtes esprit, bien que vous vous déplaciez dans des corps, et, comme une huile qui brûle dans l'obscurité, vous êtes des flammes contenues cependant dans des lampes. Si vous n'étiez que des corps, ma présence auprès de vous et les paroles que je vous adresse seraient vaines, comme la mort interpellant la mort. Mais il n'en est pas ainsi. Tout ce qui est immortel en vous est libre, de jour comme de nuit, et ne peut être enfermé ni enchaîné, car telle est la volonté du Très-Haut. Vous êtes sa respiration, tout comme le vent que nul ne pourra jamais saisir ni mettre en cage. Et moi aussi, je suis le souffle de sa respiration. Il les quitta rapidement et rentra dans le jardin. Sarki, celui qui doutait souvent, lui dit « Et la laideur, maître, tu n'en parles jamais ?» Al-Mustapha lui répondit ces mots qui ressemblaient à un coup de fouet. « Mon ami, qui t'accusera d'être inhospitalier s'il passe devant ta maison sans frapper à la porte ? Et qui te déclarera sourd et inattentif s'il te parle dans une langue étrangère que tu ne peux comprendre ? Ce que tu appelles laideur, n'est-ce pas ce que tu ne t'es jamais efforcé d'approcher, une chose que tu n'as jamais désiré pénétrer jusqu'au cœur? Si la laideur existe réellement, ce n'est qu'une écaille sur tes yeux et de la cire te bouchant les oreilles. Mon ami, n'appelle rien laid, sinon la crainte d'une âme face à ses propres souvenirs. » Un jour qu'ils étaient assis à l'ombre des peupliers blancs, l'un des disciples dit « Maître, le temps me fait peur. Il passe au-dessus de nos têtes, nous ravit notre jeunesse, et que nous donne-t-il en échange ?» Al-Mustapha répondit « Prends donc une poignée de bonne terre. Y trouves-tu une semence ou peut-être un ver ? Si ta main était assez grande et assez patiente, la semence pourrait devenir une forêt. Et le ver une troupe d'anges. N'oublie pas que les années qui changent les semences en forêt et les vers en anges font partie de cet aujourd'hui. Toutes les années sont véritablement l'aujourd'hui. Que sont les saisons des années, sinon vos propres pensées qui évoluent? Le printemps est un éveil de votre cœur, l'été vous révèle votre fertilité. L'automne n'est-il pas votre passé, qui chante une berceuse à ce qui subsiste en vous de l'enfance? Et l'hiver, je vous le demande, n'est-il pas un sommeil plein des rêves des autres saisons? Alors, Manu, le disciple curieux, regarda autour de lui et vit les plantes en fleurs accrochées aux sycomores. Maître, dit-il, vois les parasites, qu'en dis-tu? Ce sont des voleurs aux paupières lasses qui volent la lumière aux vigoureux enfants du soleil et s'embellissent aux dépens de la sève qui circule dans les branches et les feuilles des arbres. Al-Mustapha répondit « Mon ami, nous sommes tous des parasites. Nous qui labourons pour donner au gazon une vie palpitante, nous ne sommes pas supérieurs à ceux qui reçoivent la vie directement de ce gazon dont ils ne savent rien. » Une mère dira-t-elle à son enfant, « Je te rends à la forêt qui est plus que ta mère, car tu me fatigues, tu muses le cœur et les mains. » Le chanteur en voudra-t-il à son propre chant, disant, « Retourne maintenant d'où tu viens, à la grotte où résonne l'écho, car ta voix épuise mon souffle. » Et le berger dira-t-il à ses jeunes agneaux, « Je n'ai plus de pâturage où vous conduire. Laissez-vous donc abattre pour être offert en sacrifice. » Non, mon ami, toutes
ces choses ont reçu leur réponse avant d'avoir été mises en question. Et, comme vos rêves, tout est accompli avant que vous vous endormiez. Nous vivons l'un par l'autre, selon la loi ancienne et éternelle. Vivons donc en amitié et avec bienveillance. Nous nous cherchons les uns les autres dans la solitude et nous errons par les routes quand nous manquons d'un foyer auprès duquel on peut s'asseoir. Mes amis, mes frères, la route large est votre compagne. Ces plantes qui vivent sur un arbre sucent le lait de la terre dans la douce quiétude de la nuit, et la terre, dans son rêve paisible, suce le lait du soleil. Et le soleil, vous et moi, et tout ce qui existe, nous vivons en amitié et sommes traités chacun avec autant d'honneur au banquet du prince, dont la porte est toujours ouverte et la servi. Manu, mon ami, tout ce qui existe vit toujours de tout et vit dans la foi, sans rivage ou abordé, grâce à la munificence du Très-Haut. Un matin, sous le ciel pâle de l'aube, ils se promenaient tous ensemble dans le jardin, regardant vers l'est et silencieux devant le lever du soleil. Après quelques instants, Al-Mustapha leva la main en disant « Le reflet du soleil matinal dans une goutte de rosée n'est pas moins éblouissant que le soleil lui-même. Le reflet de la vie dans notre âme n'est pas moins précieux que la vie elle-même. La goutte de rosée fait miroiter la lumière parce qu'elle est lumière, et vous reflétez la vie parce que vous et la vie ne faites qu'un. Vous entoure, dites, cette obscurité est déjà l'aurore qui attend de naître, et si je souffle avec la nuit dans ces douleurs d'enfantement, en moi aussi l'aurore naîtra comme elle se lève sur les collines. La goutte de rosée qui s'arrondit au creux du lit ne diffère pas de vous qui recueillez votre âme dans le cœur de Dieu. Une goutte de rosée, dira-t-elle, milliers d'années, je ne suis une goutte de rosée que pour un instant seulement. Dites-lui, vous, ne sais-tu pas que la lumière de toutes les années brille dans ta sphère? Un soir, une grande tempête se leva sur l'île. Al-Mustapha et ses 9 disciples rentrèrent dans la maison et s'assirent autour du feu, tranquilles et silencieux. Puis l'un des disciples dit « Je suis seul, maître, et les sabots des heures frappent impétueusement ma poitrine. » Al-Mustapha se leva, se tint au milieu d'eux et dit, d'une voix qui évoquait le bruit d'un grand vent « Tu es seul, dis-tu, et puis, tu es venu seul, et seul tu traverseras le brouillard. » Aussi, vide ta coupe seule et en silence. Les jours d'automne ont offert à d'autres lèvres d'autres coupes et les ont remplies de vin amer et doux, comme ils ont rempli ta propre coupe. Bois le vin de ta coupe seule, même s'il a le goût de ton sang et de tes larmes, et loue la vie de t'accorder le don de la soif, car sans soif, ton cœur n'est que le rivage d'une mer stérile, privée de champs et de marée. Bois ton vin seul et fais-le avec enthousiasme. Lève ta coupe bien haut au-dessus de ta tête, vide-la jusqu'à la lie, à la santé de ceux qui, eux aussi, boivent seuls. Il m'est arrivé de rechercher la compagnie d'autres personnes, de m'asseoir à la table de leur festin et de boire avec eux. Mais leur vin ne m'est pas monté à la tête et n'a pas coulé dans ma poitrine. Il est seulement descendu jusqu'à mes pieds. Ma sagesse est restée vaine et mon cœur était fermé, scellé. Mes pieds seulement accompagnaient les autres dans le brouillard qui les entourait. Et je n'ai plus cherché la compagnie des hommes et je n'ai plus bu le vin à leur table. Aussi, je te dis ceci. Bien que les
des heures frappe impétueusement ta poitrine. Quelle importance cela a-t-il? Il est bon pour toi de boire seul à la coupe de la tristesse, et tu boiras seul aussi à la coupe de la joie. Un jour, Varadrou, le grec, en se promenant dans le jardin, heurta du pied une pierre et eut un mouvement de colère. Il se retourna, ramassa la pierre et dit à voix basse « Oh, chose morte sur mon chemin !» Et il rejeta la pierre. Al-Mustapha, l'élu et le bien-aimé, lui dit « Que veux-tu dire en disant « chose morte » N'as-tu pas été assez longtemps dans ce jardin pour savoir qu'il n'y a rien de mort ? Toute chose vive et brille dans la connaissance du jour et la majesté de la nuit. Toi et la pierre, vous ne faites qu'un. La seule différence réside dans les battements de ton cœur. Ton cœur bat un peu plus vite, n'est-ce pas, mon ami ? Sans doute, oui. Mais il n'est pas aussi tranquille. Le rythme qui anime la pierre est certes notre rythme que celui de ton cœur. Mais je te le dis, si tu sondes les profondeurs de ton âme et escalades les hauteurs de l'espace, tu n'entendras qu'une seule mélodie. Et cette mélodie, la pierre comme l'étoile la chante, ensemble, en parfait unisson. Si tu ne peux pas comprendre ces paroles, alors attends qu'un nouveau jour se lève. Si tu as maudit cette pierre parce que, dans ton aveuglement, tu as trébuché dessus, tu maudirais aussi une étoile si ta tête venait à en rencontrer une dans le ciel. Mais le jour viendra où tu rassembleras pierre et étoile, comme un enfant cueille les lys de la vallée, et tu sauras alors que toutes ces choses sont vivantes et odorantes. Le premier jour de la semaine, cloche du temple résonnait à leurs oreilles, l'un du disciple dit au maître « Nous entendons souvent parler de Dieu ici. Que dis-tu de Dieu? Qui est-il en vérité ?» Al-Mustapha se leva et se tint debout devant eux comme un arbre jeune qui ne craint ni vent ni tempête. Puis il répondit « Mes compagnons et amis, pensez maintenant à un cœur capable de contenir tous vos cœurs, à un amour qui enveloppe tous vos amours, un esprit où se retrouvent tous vos esprits, une voix recouvrant toutes vos voix, un silence, enfin, plus profond que tous vos silences et qui abolit le temps. Essayez aussi de percevoir, au très fond de vous-même, une beauté plus exaltante choses belles, un chant plus puissant que le chant de la mer et de la forêt, une majesté installée sur un trône devant lequel Orion n'est qu'un tabouret, une majesté tenant à la main un sceptre tellement éblouissant que les Pléiades, en comparaison, ne scintillent pas plus que des gouttes de rosée. Vous vous êtes contenté de chercher seulement de la nourriture et un abri, un vêtement et un bâton. Cherchez désormais l'unique, celui qui se rit de vos flèches et n'a que faire d'une grotte où vous vous protégez contre la fureur des éléments. Si mes paroles vous semblent dures comme le roc et énigmatiques, n'en continuez pas moins à en chercher le sens jusqu'à ce que vos cœurs se fendent et que vos questions vous révèlent l'amour et la sagesse du Très-Haut que les hommes appellent Dieu. Aucun d'eux ne dit mot. Ils demeuraient perplexes. Al-Mustapha s'émut alors de la compassion pour eux. Il les considéra avec tendresse et ajouta « Ne parlons pas davantage du Dieu Père. Parlons plutôt des divinités, vos voisines et vos frères, les éléments qui se déchaînent autour de vos maisons et sur vos champs. Vous pourriez, en imagination, vous élevez jusqu'aux nuages et considérez ces nuages comme une hauteur. Vous pourriez survoler la mer immense et avoir ainsi l'impression d'une grande.
puissiez-vous écouter le chant des oiseaux et celui des feuilles qui tremblent sur les branches quand le vent secoue les arbres. Et n'oubliez pas, mes amis, que les feuilles ne chantent ainsi que lorsqu'elles sont dégagées des branches. De nouveau, je vous supplie de ne pas parler de Dieu si légèrement. Dieu est notre tout, mais parlez plutôt entre vous, pour vous comprendre. Le voisin, son voisin, est une divinité, une autre divinité. Qui donc nourrira l'oisillon dans son nid si l'oiseau mère s'envole au ciel? Et l'anémone dans son pré sera-t-elle comblée si elle n'est pas épousée par l'abeille d'une autre anémone? C'est seulement lorsque vous êtes perdu dans ce qu'il y a en vous de plus faible que vous regardez vers le ciel et l'appelez Dieu. Puissiez-vous trouver des chemins dans votre grand moi et puissiez-vous être moins frivole, effrayer les chemins. Mes marins, mes amis, il serait plus sage de parler moins de Dieu que nous ne pouvons comprendre et de vous parler davantage l'un de l'autre qu'il vous est possible de comprendre. Cependant, je voudrais vous faire savoir que vous êtes le souffle et le parfum de Dieu. Nous sommes Dieu dans la feuille, la fleur et souvent le fruit. Un matin, tandis que le soleil était encore haut dans le ciel, l'un des trois disciples qui avait joué avec Al-Mustapha dans son enfance s'approcha de lui. Maître, dit-il, mon vêtement est usé et je n'en ai point d'autre. Laisse-moi aller au marché pour voir si je pourrais en acheter un nouveau. Al-Mustapha regarda le jeune homme et lui dit : donne-moi ton vêtement. Le disciple le lui donna et resta nu dans la lumière de midi. Al-Mustapha reprit alors, d'une voix qui évoquait un jeune coursier lancé sur une route : seuls ceux qui sont nus vivent au soleil, seul l'ingénu enfourche le vent, et celui-là seul qui se perd mille fois en chemin éprouve vraiment la joie de rentrer chez lui. Les anges sont fatigués de l'homme habile. Hier encore, un ange me disait : nous avons créé l'enfer pour les esprits brillants. Est-il autre chose que le feu pour ternir une surface polie et faire fondre un objet jusqu'au cœur ? Je dis à l'ange : mais en créant l'enfer, vous avez créé des diables pour le régir. Et l'ange répondit : l'enfer est régi par ceux qui résistent au feu. Sagesse de l'ange, il connaît les voies des hommes et de ceux qui ne sont hommes qu'à demi. Il est l'un des séraphins qui viennent secourir les prophètes lorsque ceux-ci sont tentés par les hommes habiles et, sans doute, il sourit lorsque les prophètes sourient et pleure aussi lorsqu'ils pleurent. Mes amis, mes marins, seuls les gens nus vivent vraiment au soleil. Seul peut naviguer sur la mer la plus vaste celui qui n'a pas de gouvernail. Seul celui qui est sombre dans la nuit sombre s'éveillera à l'aube. Et seul celui qui dort, les racines enfouies sous la neige, verra le printemps. Vous aussi, vous êtes comme des racines. Comme elles, vous êtes simples, mais vous possédez la sagesse de la terre. Vous êtes silencieux, mais vous contenez dans vos branches non encore nées le cœur des quatre vents. Vous êtes fragile et sans forme précise, mais vous êtes le commencement de chaînes géants et le dessin à demi esquissé des sols sur le ciel. Je vous le répète, vous n'êtes que racine entre les sombres modes de gazon et le ciel changeant. Souvent, je vous ai vu vous lever pour danser dans la lumière, mais souvent aussi, je vous ai vu timide. Toutes les racines le sont. Elles ont caché leur cœur si longtemps qu'elles ne savent plus qu'en faire. Heureusement, mais viendra la Vierge toujours à
dressera comme une mer les collines et les plaines. Un homme qui avait servi dans le temple dit au maître d'une voix suppliante : Apprends-nous que nos paroles, comme les tiennes, peuvent être un chant et un encens pour le peuple. Al-Mustapha lui répondit : Vous vous élèverez plus haut que vos paroles, mais votre chemin restera ce qu'il est. Ceux qui aiment et sont aimés, et un parfum pour ceux qui rêvent de vivre dans un jardin. Vous vous élèverez au-dessus de vos paroles jusqu'à un sommet où tombe la poussière des étoiles, et vous ouvrirez vos mains jusqu'à ce qu'elles soient remplies. Puis, vous vous étendrez pour dormir comme un oisillon blanc dans un nid blanc, et vous rêverez à votre lendemain comme de blanches violettes. Rêve du printemps. Oui, mais vous descendrez aussi plus bas que vos paroles. Vous chercherez les sources perdues des ruisseaux et vous serez une grotte cachée renvoyant l'écho des faibles voix des profondeurs que vous êtes incapable d'entendre maintenant. Vous descendrez plus bas que vos paroles, oui, plus bas que tous les sons jusqu'au véritable cœur de la terre. Vous serez seul avec celui qui se promène aussi à travers la Voie lactée. Après un moment, l'un des disciples demanda : Maître, parle-nous de l'être. Qu'est-ce donc être ? Al-Mustapha le regarda longtemps et l'aima. Il se leva, s'éloigna un peu d'eux, puis revint. C'est dans ce jardin que reposent mon père et ma mère, enterrés par les mains du vivant. Dans ce jardin aussi sont ensevelies les semences des années écoulées, apportées ici sur les ailes du vent. Mille fois mon père et ma mère seront ensevelis ici. Mille fois le vent enterrera la semence. Et dans mille ans, vous, moi-même et ces fleurs, nous serons rassemblés dans ce jardin comme aujourd'hui. Nous existerons aimant la vie, nous existerons en rêvant d'espace, et nous serons en train de nous élever vers le soleil. Mais aujourd'hui même, être, c'est être sage, sans être étranger au vous, c'est être fort, mais pas pour détruire ce qui est fait. C'est jouer avec de petits enfants, non comme le font les pères, mais bien plutôt comme des compagnons de jeu, désireux de s'initier à leur amusement. C'est être simple et franc avec les hommes et les femmes âgées, s'asseoir auprès d'eux à l'ombre de vieux chênes, bien que vous, vous viviez toujours à l'heure du printemps. C'est partir à la recherche d'un poète, même s'il demeure au-delà cet fleuve, et être en paix auprès de lui, sans aucun désir, aucun doute, sans une question sur vos lèvres. C'est savoir que le saint et le pécheur sont frères jumeaux, fils de notre gracieux roi, et savoir que l'un d'eux, parce qu'il est né à peine devant l'autre, nous le considérons comme le prince héritier. C'est suivre la beauté, même si elle vous conduit au bord d'un précipice, et bien qu'elle soit ailée alors que vous ne l'êtes pas, bien qu'elle soit au-dessus du précipice, la suivre quand même, car où la beauté est absente, il n'y a rien. C'est être un jardin sans mur, une vigne sans gardien, une maison qui recèle un trésor, mais toujours ouverte à tous les passants. C'est être volé, abusé, oui, induit en erreur, pris au piège et ensuite bafoué. Mais, malgré toutes ces avanies, regardez tout cela comme rien au fond de vous-même et sourire. Car vous savez qu'un printemps viendra s'épanouir dans votre jardin, danser dans les feuillages, qu'un automne viendra mûrir vos raisins, et vous
savez que si une seule de vos fenêtres s'ouvre à l'est, vous ne serez jamais sans rien. Vous saurez aussi que tous ceux qu'on appelle malfaiteurs, voleurs, escrocs et trompeurs sont vos frères dans le besoin, et que vous-même, vous êtes peut-être comme eux, aux yeux des habitants bénis de la cité invisible, édifiée au-dessus de la cité visible. Ce qui est nécessaire pour passer confortablement vos jours et vos nuits. Être, c'est exercer le métier de tisserand avec des doigts qui voient, le métier d'architecte, jouant avec la lumière et l'espace, celui du laboureur, en sachant que vous cachez un trésor dans chaque semence que vous enterrez, celui du pêcheur et de chasseur impitoyable pour le poisson et le gibier, mais plus encore pour ceux qui ont faim et pour tous les besoins de l'homme. Surtout, je vous dis ceci, je voudrais vous voir chacun d'entre vous s'associer au projet de tout homme, car c'est ainsi seulement que vous pourrez espérer réaliser au mieux vos propres desseins. Mes compagnons, mes bien-aimés, soyez audacieux et non pusillanimes, soyez larges et non mesquins, et jusqu'à ma dernière heure et la vôtre, réalisez vraiment ce qu'il y a en vous de plus essentiel. » Il se tut, et une profonde mélancolie saisit les neuf disciples. Leur cœur se détournait de lui, car ils ne comprenaient pas ses paroles. Et voici que les trois marins éprouvèrent la nostalgie de la mer. Ce qui avait servi dans le temple aspirait à la consolation qu'ils trouvaient dans le sanctuaire. Et ceux qui avaient été ses compagnons de jeu avaient envie de retourner au marché. Tous, ils étaient sourds à ses paroles, si bien que le son de celles-ci lui était renvoyé comme des oiseaux las et sans abri cherchant un refuge. Al-Mustapha s'éloigna et fit quelques pas dans le jardin sans rien dire, sans même les regarder. Les disciples commencèrent à discuter entre eux et à chercher une excuse à leur désir de s'en aller. Finalement, ils firent demi-tour et partirent chacun de son côté, tandis qu'Al-Mustapha, l'élu et le bien-aimé, restaient seuls. Lorsque la nuit fut tout à fait venue, il se dirigea vers le tombeau de sa mère et s'assit sous le cèdre qui avait grandi là. L'ombre d'une grande lumière parut dans le ciel, et le jardin resplendissait comme un beau joyau sur le sein de la terre. Al-Mustapha s'écria, l'esprit oppressé par la solitude. Mon âme est lourdement chargée de ces fruits mûrs. Qui voudrait s'approcher de moi pour cueillir ces fruits et s'en délecter? N'en est-il pas un qui est jeûné et dont le cœur soit assez bon et généreux pour mettre un terme à son jeûne, à la vue de mon premier fléchissement sous le soleil, et me délivrer de ma surabondance. Mon âme déborde du vin des âges. Ne trouverai-je pas un seul homme assoiffé qui vienne se désaltérer? Je pense à cet homme qui se tenait debout à un carrefour, les mains tendues vers les passants, suppliant. Ayez pitié de moi, prenez ce que je vous offre, au nom de Dieu, prenez-le et consolez-moi. Mais les passants se contentaient de le regarder, et pas un seul ne prit quelque chose dans la main tendue. Comme il eût préféré être lui-même mendiant et tendre la main pour recevoir, une main tremblante, et la ramener vide contre sa poitrine, plutôt que de l'ouvrir somptueux présent, sans trouver personne pour recevoir. Et je pense au gracieux prince qui dressait sa tente de soie entre les montagnes et le désert. Il envoyait ses esclaves pour observer la route et voir s'il pourrait en ramener un invité. Mais les routes et les sentiers du désert étaient impitoyables et ils ne virent personne. Il eût été préférable que le prince fût un homme sans feu ni lieu, en quête de nourriture et d'abri, qu'il fût errant,
possédant rien d'autre qu'un bâton et une jatte de terre, car alors, à la tombée du jour, il aurait pu rencontrer des gens de son espèce, poètes sans feu ni lieu, eux aussi, et partager leur misère, leurs souvenirs et leurs rêves. Je pense aussi à la fille du grand roi qui s'éveillait, revêtait sa robe de soie, se parait de perles et de rubis. Elle répandait du musc sur sa chevelure et trempait ses doigts dans l'ambre gris. Puis elle descendait de sa tour pour se rendre dans son jardin où la rosée mouillait ses sandales d'or. Dans la nuit tranquille, la fille du grand roi cherchait l'amour dans le jardin, mais il ne se trouvait dans le vaste royaume de son père personne. Gardant ses moutons dans un pré. Elle serait retournée le soir à la maison de son père, les pieds recouverts de la poussière des routes sinueuses, exhalant des plis de sa robe, le parfum des vignes. Quand viendrait la nuit, quand l'ange de la nuit planerait sur le monde, elle s'esquiverait dans la vallée où coule le fleuve et où l'attendrait son amoureux. Ah, s'il avait pu être une dans un cloître, le cœur brûlant comme de l'encens, pour que ce cœur puisse s'élever jusqu'aux hauteurs du vent, et consumant son esprit comme une chandelle pour faire monter une lumière jusqu'à une autre lumière plus vive, en union avec ce qui adore, ce qui aime et sont aimés. Ah, si elle avait pu être une femme âgée, assise au soleil, se rappeler celui qui avait partagé sa jeunesse. La nuit se faisait plus noire et Al-Mustapha était sombre comme cette nuit. Son esprit ressemblait à un nuage épais et il s'écria de nouveau. Mon âme est lourdement chargée du fardeau de ses fruits mûrs. Oui, lourdement chargée de ses fruits. Qui donc s'approchera pour les manger à satiété? Mon âme déborde de son vin, qui viendra le boire pour se rafraîchir après la chaleur du désert. Que ne suis-je un arbre sans fleurs ni fruits, car la peine causée par l'abondance est plus amère que la stérilité, et la douleur du riche dont on ne veut rien accepter est plus cruelle que celle du mendiant qui ne reçoit rien de personne. Que ne suis-je une source tarie et desséchée où les hommes jettent des pierres, car il est plus doux et plus facile d'être accablé d'un fardeau que d'être une source d'eau vive offerte aux hommes qui passent sans vouloir la boire. Que ne suis-je un roseau foulé aux pieds, car cela vaudrait mieux que d'être une lyre aux cordes d'argent dans une maison où le maître n'a pas de doigts et dont les enfants sont sourds. Durant 7 jours et 7 nuits, personne ne s'approcha du jardin. Le maître était seul avec ses souvenirs et sa peine. Même ceux qui avaient entendu ses paroles avec amour et patience étaient partis à la poursuite d'autres jours. Seul Karima vint. Le silence recouvrait son visage comme un voile. Elle portait dans ses mains une coupe et un plat, boisson et nourriture pour apaiser la faim et l'isolement du maître. Lorsqu'elle eut tout déposé devant lui, elle repartit. Al-Mustapha retourna de nouveau près des peupliers blancs plantés à l'entrée du jardin. Il s'assit et regarda vers la route. Il aperçut bientôt comme un nuage de poussière venant dans sa direction, au-dessus de la route, et de ce nuage émergèrent les 9 disciples guidés par Karima. Al-Mustapha s'avança à leur rencontre. Sur la route, ils franchirent la grille et tout était bien, comme s'ils étaient partis à peine une heure auparavant. Ils entrèrent dans la maison et soupèrent avec lui à sa table frugale où Karima avait déposé le pain et le vin. Tout en versant le vin dans les coupes, elle suppliait le maître. « Laisse-moi aller à la ville, chercher encore
La nourriture et la boisson
Ces chansons, mon cœur en était ému.
s'agonisait un moment sur mes lèvres. « Oh, brume, ma sœur, bien que tout soit désormais passé, je suis en paix. Chanter pour ceux qui étaient déjà nés m'a suffi. Et bien que le chant ne vint pas de moi, il a exprimé pourtant le plus secret désir de mon cœur. Oh, brume, ma sœur brume, je ne fais maintenant qu'un avec toi. Je ne suis plus seulement moi-même. Les murs sont tombés, les chaînes sont brisées. Je monte vers toi, une brume, moi aussi. Et ensemble nous flotterons au-dessus de la mer jusqu'au second jour. Se répandra en gouttes de rosée dans les jardins, et que je serai, moi, un petit enfant blotti contre le sein du